Je bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Bon, dans un premier temps, on va parler de l'élimination incroyable de la Côte d'Ivoire. J'ai rien à dire. Voilà, les Ivoiriens, vous avez bien joué contre l'Égypte. L'Égypte ont été bons. C'était un match serré entre les deux équipes. Voilà, vous avez perdu au penalty. Yako, j'ai même pas envie de me moquer de vous. J'étais censé me moquer de vous d'une manière incroyable. Tu vois, j'avais préparé des pas de danse en mode logobi. Je vais tout lâcher l'affaire. Tu sais pourquoi? Parce que le Mali vient de se faire éliminer par la Guinée équatoriale. Hein? Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer? La Guinée équatoriale, ceux qu'ils ont marqué contre l'Algérie, là. Hein? C'est eux qui viennent de nous fracasser la bouche au penalty. Ils nous mettent des Panenka, des pleines lucarnes. Nous, les Maliens, on n'a pas compris. On ne comprend pas. On tire des penalties normalement. Hein? Eux, ils font des tirs, des penalties trop techniques pour nous, les Maliens. Hein? Nous, on arrive tout doucement dans le football, on essaye de créer des choses, et vous, vous faites des trucs techniques au moment des pénaltys. Pourquoi vous n'avez pas fait ça dès le début du match? Comme ça, on se serait calmé. Nous, les Maliens, on est là, on croit qu'on a un beau projet, qu'on peut réaliser des bons trucs. Il y a des joueurs de l'équipe qui nous ont fait croire des trucs incroyables. Ils nous ont dit qu'eux, ils étaient capables de prendre 3 ou 4 cannes. Aujourd'hui, c'était la seule année où on pouvait prendre quelque chose. Tous les grands sont sortis. Même nous, les petits pourris, on sort. De toute façon, le Mali n'a jamais remporté de CAN de toute sa vie. Depuis que la Fédération de football malienne existe, nous n'avons jamais remporté quelque chose. Donc, dans tous les cas, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas à être triste. Voilà, dans tous les cas, c'est ce qu'on sait faire. Nous, dans le foot, on est nuls. On est plutôt fort dans tout ce qui est nettoyage de surface. Franchement, ça, je suis plutôt bon. Même ma femme, elle me dit que quand je nettoie les assiettes, elles sont très bien, elles sont bien propres. C'est vrai ou pas? Hein? Elle dit non de la tête. Mais bon, je vais m'améliorer pour nettoyer tout ça. Parce qu'en termes de football, on va pas se mentir, on sert à rien. Tu crois que c'est pourquoi que je suis pas devenu professionnel? Parce que je suis malien. Voilà. Nous et le foot, ça fait trois. Ça sert à rien. Je comprends même pas pourquoi on s'inscrit aux compétitions. Ça sert à rien. Venez, nous, le Mali, on s'occupe de l'organisation. Hein? On s'occupe de l'organisation, de nettoyer le stade. Ça sert à rien qu'on court sur le terrain après un ballon. On ne sait pas le faire. Hein? On n'a pas d'attaquant, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va aller faire là au barrage de la Coupe du Monde? Vous voulez aller faire quoi en Coupe du Monde? Vous voulez aller au Qatar? Mettre 0 but? Hein? Non, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est bon. Bon, là, je suis énervé, vous avez compris, mais dans tous les cas, je reste un Malien. Si le Mali demain fait quelque chose de bien, je serai derrière. Là, vous savez, c'est les nerfs qui ont parlé, c'est le cœur. Mais dans tous les cas, je suis derrière ma patrie. Je sais qu'il y en a plein qui vont pleurer. Moi aussi, je vais pleurer. On va pleurer ensemble. Grosse force à tous les joueurs. Amari Traoré, tu as réalisé une très grosse CAN. Malgré que tu aies raté ton penalty, franchement, c'est pas grave. Toi aussi, Sako, c'est pas grave si tu as raté ton penalty. Le gardien, tu as réalisé de très belles arrêts. C'est dommage que ce qui s'est passé, on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Grosse force à toute l'équipe du Mali et au projet. Peut-être que footballistiquement, il y aura quelque chose à faire. Dans tous les cas, on joue encore les barrages de la Coupe du Monde. Voilà. Même si on va jouer contre qui là, on joue contre la Tunisie, qui est elle qualifiée contrairement à nous. Peut-être que je sais même pas quoi dire. Dans tous les cas, c'est la honte. On perd contre la Guinée équatoriale. Donc là, tous les motos, ils vont rouler chez nous, quoi. Hein? Donc là, à Bamako, il y aura tous les motos partout. Oh non, mais non, mais c'est, on peut pas perdre contre la Guinée équatoriale, hein? Mais pourquoi vous y...